Good morning, Aleïden, et tu sois aujourd'hui, l'Eloi Nishmat, Rachamim ben Rosa, Chaya bat Tova, ainsi que les refouettes, Refaen et Zephloun ben Chamaneh. Myriam bat Rassida Dov ben Yehudit et Sarah bat Betiloka, et ton cher pour Israël, sur ce thé aussi dédié une prochaine étude de Mishnah, qui est de sa conduite éternelle. Nous étudions Masechet Bechorot, Perik Bet, Mishnah Chet. Achat Bikra, ve Achat Shelo Bikra, ve Yaldou Shnei Zharim. Echad Lo, ve Echad Nakoen. Rabbi Tachan Omer, Nakoen, Bar Omer, Tayafa, ve Rabbi Akiva, Omer, Meshamin Medem. והשני יראה עד שיסתאב, וחייב במתנות רבי יוסי פוטר, שהרי רבי יוסי אומר, כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות, רבי מאיר מחייב. מת אחד מהן, רבי טרפון אומר, יחלוקו, רבי עקיבא אומר, עושים חברו עליו הראייה, זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. Voilà, j'ai déjà dit dans la mission précédente, c'est une pure répétition des deux Mishnah précédentes, le même principe avec juste adapté dans une nouvelle situation. Le principe, c'est exactement le même de toute la Mishnah. On parle qu'on a un doute, on a Achat Bikra ve Achat Shelo Bikra. On a dans les tables deux brebis. Une qui a déjà mis bas dans sa vie et l'autre qui n'a jamais mis bas dans sa vie. Donc, s'il y a un Bechor, donc celle qui n'a jamais mis bas, dès qu'elle va accoucher un mâle, eh bien, ce sera un Bechor. Il y aura une Gdusha de Bechor dessus. Tandis que l'autre, on s'en moque, est-ce qu'elle aura un mâle ou une femelle? Eh bien, il n'y aura jamais de Gdusha de Bechor, parce que c'est son deuxième. Le Bechor, c'est que le premier, bien évidemment. Eh bien, la Mishnah enseigne comme ça. Achat Bikra ve Achat Shelo Bikra. J'ouvre la ferme et la grange, l'étable, et je vois qu'il y en a. Je découvre qu'il y a là-bas, deux mâles. Tandis que dans mes brebis, il y en a une qui a déjà mis bas, et donc l'autre qui n'a jamais mis bas. Donc, deux bébés pour deux mamans. Eh bien, ça fait un bébé pour chaque maman. D'accord? C'est la logique pure. Et de ce fait, il faudra que tu donnes un pour toi et un pour le Kohen. Tout à fait normal. La question est de savoir maintenant lequel je donne au Kohen. Rabbi Tarfon Omer, un Kohen, Borer, le Taïefa. Rabbi Tarfon pense que le Kohen devra prendre le plus beau des deux, le plus gros des deux, le plus gras. Rabbi Akiva Omer, Meshamnin Benem, tandis que Rabbi Akiva me dit, dans le doute, ça reste. Tu restes propriétaire et tu donnes le plus moche, le plus maigre au Kohen. Et littéralement, si on traduit le mot Meshamnin Benem, le Shuman il reste au milieu, la graisse elle reste au milieu, c'est-à-dire elle reste en suspens à qui elle appartient, donc dans le doute, celui qui détient, qui pour le moment reste propriétaire dessus. Vachini irait à Tchilistaev, tandis que le deuxième il devra paître jusqu'à qu'il va recevoir un défaut. Et on explique un petit peu mieux de nouveau, vous connaissez bien le principe, mais quand même, ça nous permet maintenant de mieux comprendre encore mieux. On reprend la situation, il y a deux, donc on se retrouve avec maintenant deux nouveau-nés, un qui est Bechor et l'autre qui n'est pas Bechor. Et bien dans le doute, il faut donner un au Kohen et tu gardes l'autre. Maintenant, quand tu gardes l'autre, tout d'abord, l'autre tu le gardes, mais tu n'auras pas le droit de le manger facilement. Tu devras attendre qu'il va recevoir un jour un défaut, qui va être inapte à devenir un korban. Et lorsqu'il ne pourra plus être un korban, alors il devient permis à la consommation personnelle, profane. Dans ce cas-là, tu peux ensuite l'égorger et le manger. D'accord? Ça c'est pour celui qui n'a pas eu, avec interdit aussi de le tondre, durant tous ces jours, de travailler avec lui, si c'est un taureau, tu ne pourras pas travailler non plus, juste le consommer quand il aura eu son défaut. Tandis que, et un autre, le deuxième, il faudra bien évidemment le donner au Kohen. Lequel devra-t-on donner au Kohen? Sur ça, on a vu Rabbi Tarfon, c'est la même arloquette qui est revenue trois fois. D'abord, Rabbi Akiva, c'est plus facile, il te dit dans le doute, tu donnes le plus maigre au Kohen, il n'y a pas de raison, tu ne sais pas qui a qui. Eh bien, tu donnes dans ce cas-là, puisque la motive de travail la varia, tu restes toi le propriétaire dans le doute, et tu donnes le plus mauvais, le plus maigre. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, lui, il a une autre svara. Il va dire non, le Kohen, il devra prendre le plus gros. Et maintenant, c'est Rabbi Tarfon qui revient avec une troisième svara. Dans le premier cas de figure de la Mishnah, Vav, là-bas, on parlait qu'il y avait deux jumeaux qui étaient sortis. Rabbi Tarfon, il m'a dit, d'après la logique, c'est le plus gros qui est sorti le premier. Dans la Mishnah, Zayin, on parlait qu'il y avait deux mères, mais que chacune, elle avait eu un Bechor, on ne savait pas lequel était né d'une couche naturelle et lequel il était né en jumeau. Sur ça, Rabbi Tarfon, il a dit le plus gros, c'est celui qui est né qui n'avait pas de jumeau, donc c'est lui qui est le Bechor certainement. C'était la mission précédente. Maintenant, on parle d'une autre situation. On parle qu'il y avait deux mères qui ont chacune accouché une seule, et pourtant il y en a un qui est plus gros que l'autre. Et Rabbi Tarfon, il a dit tu sais quoi, dans le monde, il devrait prendre le plus gros. Pour quelle raison? L'Agma rapporte ici à cet endroit-là que, en général, je ne sais pas c'est quoi la logique, mais le premier-né est plus gros que le deuxième. Aucune idée pourquoi. Je ne sais pas si c'est vérifié non plus. Je suis un peu plus gros que mon grand frère. Alors, je ne sais pas.
Il y a, faudrait réfléchir à la question, comment, je sais pas. La deuxième couche, apparemment, elle est censée être. La première couche, elle est censée être mieux fournie que la deuxième couche. Je sais pas pourquoi. D'accord? En tout cas, comme ça, c'est l'avis de Rabbi Tarfon. Ici. Et finalement, Rabbi Tarfon, comme on va voir ensuite dans la Mishnah, il va finalement ne plus penser ça comme dans chaque Mishnah, on expliquera après. Maintenant. Nouveau sujet maintenant. Bon. Tu gardes un des deux, le plus grand ou le plus maigre. Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva. Tu dois attendre qu'il va avoir un défaut. Et quand il aura un défaut, tu pourras l'égorger et le manger. Maintenant, lorsque tu l'égorges, est-ce que tu dois donner les matanotes au Kohen? La Mishnah enseigne, ben, vechayav be matanot. Et tu devras donner les matanotes. Zroa, lechayim, vekeiva, les trois parts qui reviennent au Kohen. Donc, la mâchoire, le bras droit. Zroa, le bras droit. Lechayim, la mâchoire, avec la langue. Vekeiva, c'est le. Keiva, je vous ai dit, le keiva, c'est pas l'estomac. C'est, j'ai dit le torse hier, dans le cours d'avance. C'est l'erreur, c'est le. Keiva, c'est l'estomac. D'accord? Il faudra donner la keiva, l'estomac aussi au Kohen à manger. Voilà pour la Mishnah. Donc tu devras les donner, parce que dans le doute, de deux choses l'une. Soit, c'est le Bechor, donc il revient entièrement au Kohen. Bon, donne-lui tout le Bechor. Ah, tu veux dire que ça t'appartient, que non, c'est pas au Kohen? Non, mais si c'est un animal profane, dans ce cas-là, tu dois faire les cadeaux au Kohen, donc donne-le-lui. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah qui sera en fait Rabbi Meir d'après. Rabbi aussi, Potter, tandis que Rabbi aussi va dispenser de donner les matanotes. Pour quelle raison? Chaya, Rabbi aussi, Omer, voilà, Rabbi aussi s'explique. Ça fait déjà trois Mishnah maintenant qui nous dit juste qu'il dispense. Pour quelle raison? Là, il s'explique. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi, Potter, Chaya, Rabbi aussi, Omer, car Rabbi aussi avait l'habitude de dire que le Sheikh Khalifa Beyad Kohen, tout animal que le Kohen a en contrepartie un Khalifin, il a une contrepartie, c'est-à-dire qu'on a eu un doute sur deux animaux, lequel donner et lequel ne pas donner. Ouais, on a un doute. Lequel donner, lequel ne pas donner. Eh bien, ça s'appelle que, finalement, avec le Cohen, on s'est concerté. On a dit, bon, regarde, ici, il y a deux, je ne sais pas lequel. Dans le doute, prends un, et puis moi, je prends l'autre. Ça s'appelle que j'ai Khalifav Beyad Cohen. J'ai la contre-valeur de lui chez le Cohen. C'est-à-dire de deux choses l'une. Puisque le Cohen, pour qu'il puisse me restituer le... Puisque le Cohen, moi, on a décidé que chaque fois qu'on fait un partage, c'est assez profond, quoi. Chaque fois qu'on fait un partage, on a deux animaux qu'on va se partager. Je te dis, tiens, prends une et moi je prends l'autre. C'est considéré comment? Que j'ai reçu un et toi t'as reçu un, ou bien non, qu'on a reçu tous les deux ensemble les deux, et que chacun il a cédé sa part chez l'autre. Donc, comme ça, Rabbi aussi, il considère l'histoire. Il a cédé sa part de l'animal, il l'a donné au Israël, dans le doute, pour pouvoir prendre l'autre. Donc ça s'appelle qu'il a reçu et qu'il a ensuite rendu. Puisque maintenant c'est un animal qui provient du Kohen, que le Kohen donne ensuite au Israël, eh bien il est dispensé, pas tout, mais la matanote, il sera dispensé de donner les matanotes. D'accord? On continue la Mishnah avec Rabbi Meir, mais Chayav, Rabbi Meir rend Chayav de donner les matanotes. C'est en fait comme ce qu'on avait appris au début de Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, ça va seulement après Rabbi Meir. Ensuite, autre situation. Met Echad Mehen. Un des deux est mort. C'est-à-dire, on explique. On revient encore, on est dans la scène où il y avait les deux brebis, une qui a déjà mis bas, une qui a jamais mis bas. On ouvre la porte, on découvre qu'il y a deux nouveau-nés, Mazal Tov, un qui est Bechor, un qui n'est pas Bechor. Très bien, on va voir, on va commencer à s'en occuper. On n'a pas le temps de commencer à discuter qu'il y en a un des deux qui meurt. Qu'est-ce qu'on fait dans le doute? Eh bien, Met Echad Mehem, un des deux meurt, Rabbi Tarfon Omer. Rabbi Tarfon me dit, Yachloku, il faudra partager celui qui reste. Tandis que Rabbi Akiva Omer, Amotsi Mechavero, Alav Hareaya. Rabbi Akiva me dit non. Amotsi Mechavero, celui qui va faire sortir de son prochain devra lui rapporter la preuve. On commence par expliquer Rabbi Akiva, c'est plus facile. J'ai maintenant les deux animaux. Un qui est au Kohen, je ne sais pas lequel. Celui droit, celui gauche. Un des deux meurt. Eh bien, selon la grande règle du Chochet de Mishpat, lorsqu'on a un différent d'argent, dans le doute, je ne donne pas. Jusqu'à ce que tu me prouves que je te dois réellement. Peut-être c'est le tien qui est mort pour le moment. Eh bien, moi, je ne te dois plus rien. Donc dans le doute, je ne te donne rien. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, lui, va dire non, non, non. Lorsque les deux naissent, que tu as un doute, un qui t'appartient pas, mais il y en a, le plus que le Cohen aussi, il a une mainmise très forte, parce qu'il y en a un qui lui appartient certainement, et l'autre qui t'appartient à toi certainement aussi, on ne sait pas lequel juste, les deux se mélangent, eh bien, il n'y a pas de mourzag dans une situation pareille, il faudra partager tout ce qu'il y a, donc le deuxième, celui qui reste en vie, il faudra le partager. Zacharon Kevan, Kenela Cohen Klum.
Maintenant, dans autre situation, c'est que tu as, lorsque tu as ouvert la porte de de l'étable, tu as vu là-bas qu'il y avait un mâle et une femelle. Maintenant, deux situations. Soit celle qui a jamais mis bas, c'est elle qui a eu le mâle, donc il y a un béchor, et l'autre, on s'en moque. Soit, c'est le contraire, celle qui a jamais mis bas, elle a eu la fille en premier-né. Et celle qui a eu le mâle, c'est l'autre qui a eu le mâle. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le doute? Peut-être qu'il n'y a plus rien qui revient au Cohen. Eh bien, dans le doute, rien ne reviendra au Cohen. Tu lui donneras rien du tout. Tu n'auras juste gardé le mâle, attendre qu'il va avoir un défaut, avant de pouvoir lui faire la shita et le consommer toi-même. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.